Yo tout le monde, c'est Squeezie. Aujourd'hui on se trouve sur Doorway the Underworld, un jeu que je viens de trouver sur Steam qui est sorti très récemment. Je crois il est dans la catégorie jeu indépendant parce qu'il est indépendant. Est-ce que j'avais vraiment besoin d'expliquer ça? Non. V5 bien sûr. Oculus Rift. Non. Ouh, c'est carrément beau. CMC Studio présente une flamme. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Allez, on y va. Ouais, on est dans une bouche géante, ça me plaît. Ça me plaît pas trop. Donc là on est dans une sorte de bunker si je comprends bien. Il y a qu'un chemin pour le moment, donc c'est plutôt... Putain, pourquoi j'ai dit ça? Il y a deux chemins. Ici, il y a absolument rien. Rien du tout. Le néant total. Le néant le plus compliqué. Je peux m'accroupir? Ok, je peux m'accroupir. On sait jamais s'il faut se cacher comme un rat à un moment. Absolument. Mais il y a rien en fait. C'est ça, ça sert strictement à rien quoi. Je sais pas, mettez des flèches au sol. Ah, j'aime pas trop ça. Hein. Ah! Ok, faut une clé, faut une clé. C'est bon, j'ai compris, j'ai compris. Ne mets pas la pression avec des bruits de porte métallique. Est-ce que la clé ne serait pas dans ce bureau? Elle est sur le bureau. C'est encore mieux. Oh, pour la mettre dans notre poche. Item. Clé. Ouvrir. Eh, si on se poursuit et qu'on doit ouvrir une porte, on est morte, quoi. Alors là, il faut... Ah bah non, là, ça souffle. C'est bien, ça, c'est beau. C'est moins beau s'il y a quelqu'un là-dedans. Mais non, il... Qui pleure? Non, on t'a enfermé dans le matelas, pauvre femme. Alors, je propose qu'on saute sur ce putain de matelas. On peut pas. Il y a des bruits de pas. Des sortes de bruits de pas d'ogre. Pas des bruits de pas mignons de petits porcinets, hein. Ouais, encore un matelas. Il y a un monstre. Arrêtez, on va pas se mentir, comme dans chaque jeu d'horreur. Il y a un putain de monstre, c'est sûr. Simplement, on l'a pas encore vu et c'est pas plus mal. Un matelas. Waouh, c'est pas comme si j'en avais vu 28. Je vais faire une entreprise qui sera le concurrent direct d'IKEA si ça continue. Je vendrai des matelas, juste des matelas, plein de matelas partout, des matelas. Oh non mais mec, attends. Oh vas-y, ah j'aime bien l'origami par contre, j'aime bien. Ça m'étonnerait pas qu'à un moment il l'appuie en forme d'avion, qu'il le lance comme ça et qu'on applaudisse bien fort. Oula, j'aime pas trop ça, il y a des marques bizarres, une lumière bizarre. Waouh, waouh, waouh. Ah ouais, arrêtez de mettre une pression comme ça sans déconner. Allez, encore un matelas, si c'est un matelas je pars et je... Qu'est-ce que... Qui parle comme ça, déjà? Parce qu'on va retourner à l'école ensemble. Mais il y a 36 chemins. Le chemin des cailloux. Les cailloux, c'est toujours bon. Ok, super. Putain de cailloux, je vous déteste. Alors, première porte. Bah, bien sûr, bah voilà. Il bloque la porte comme ça, du haut de son 3 cm. Saloperie de cailloux, je déteste les cailloux à partir de ce jour. Qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai absolument aucune idée de ce que ça a fait. Ah, ça a peut-être ouvert la porte qu'elle a, tout simplement. Voilà. Alors, mon gars, hein. Bah, t'es viré. T'es viré, c'est tout. Ça, c'est pour se cacher parce qu'il y a un monstre qui va arriver. Je suis sûr. Ça n'a aucun sens, quoi. C'est ni des WC, ni une cabine téléphonique. Donc, c'est forcément un truc pour se cacher. Alors, bien évidemment, on a encore pris le mauvais chemin. Bah, non, mais non. Oh! Regardez, il est là! Il est là! It was the bad guy! Je n'aime pas ça du tout! Je n'ai pas le code de ce coffre. Finalement, c'est peut-être le code par défaut, comme quand j'achète une valise qui est le 0000. Non! Il pouvait pas être neuf ce coffre! Le numéro du patient est 1305. Oh, si c'est ça, alors là, Sherlock, Sherlock! 5. Oui! C'était bien ça! Alors, expérience 9, jour 11. J'ai complété l'amputation de ses bras et de ses jambes. Je ne veux pas savoir la suite. Faites un origami avec une musique mignonne. Oh, on a la clé, voilà! Ah! Parfait, t'as testé son moment de gloire, j'avais une musique épique et tout. Elle a fait non, pas tout de suite, les feux des projecteurs c'est pas pour moi, voilà. Voilà, elle attendait ce moment là. Bon, va falloir que j'aille dans le couloir, on a vu une sorte d'homme qui voulait peut-être faire un paintball avec nous, hein, s'accrocher à la grille. C'est pas... Oh, 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 oh. Qu'est-ce que je vous avais dit? Tu ne peux pas le confronter, il y avait marqué ça sur le mur à l'instant. Je sais pas qui est le mec qui a... Cache-toi, bah je suis caché. Reste loin de lui. Ça marche. Et je vous avais bien dit que c'était pas des toilettes ou une cabine téléphonique. Où es-tu? Oh ma béquille. En plus c'est fermé, putain. Hop, oh. Dès qu'on est caché, on dit c'était caché. C'était caché. Oh, il est horrible, il vole. Ah non, il a des béquilles. Faut que j'aille à droite là, faut que j'aille à droite mon gars. Il m'a vu. Run. Faut que je me cache ici. C'était caché. Oh non. Non, à quel moment? Il me voit pas. Oh, il est horrible, regardez. That ass. Non, 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 nope, nope. Ça m'apprendra à regarder les fesses des méchants tout le temps, c'est... Voilà, c'est scandaleux. Ah, il respire comme un bison. Il a amené le vent, vous avez vu, il y a plein de courants d'air. Les ampoules s'affolent. Rush. Mon jeu aura ma mort, hein. Le jeu lui-même veut tout arrêter. Non, non. Va-t'en. Sa respiration me fait extrêmement peur. Après, peut-être qu'il veut m'annoncer que c'est mon père, je sais pas, mais bon, vous avez compris la blague, puisqu'il respire comme Dark Vador. Et Dark Vador, dans le film, il arrive, il arrive. Oh, bâtard. Tu n'es pas mon père. Il est à gauche. Courons. Ah, il poursuit. J'ai absolument pas peur de toi. Attends, il va carrément moins vite que nous, c'est obligé. Il est... Enfin, ah non, quoi qu'il est sur roulette, peut-être qu'il va carrément vite. En tout cas, nous, putain, on a un petit coup d'adrénaline, hein. Wouh, la vitesse extrême. Alors, ça nous mène où? Ça nous mène où, cette histoire? Cache-toi. Merci. Reste loin de lui. Je peux me cacher là? Non, il voit mon front, c'est sûr. Il me voit pas. Je suis là. Ah, tu ne m'as pas vu. Faut que j'aille à gauche. Oui. Oh. Je suis caché. Mais non, mais attends, c'est comme les petits enfants. Tant que je te vois pas, tu me vois pas. Qu'est-ce que tu vas faire, mon gars? Il y a un bureau entre nous. Je pensais qu'il va me... Oh non. Oh, il a tapé une accélération de dingue. Il a fait, ah, tu me crois, non? Et bah non. J'ai pratiqué le roller. Oh, le salaud. T'as vu, ce monstre est carrément horrible, quoi. Ok, c'est parti, faut aller à droite. Vas-y, essaie de m'attraper. Je cours plus vite que toi, moi. Moi, j'ai pratiqué le skateboard, mon gars. Bon, là, j'ai pas de skate et je fais de la course à pied, mais bon, faut pas se tromper.
Mais à quel moment? Ah, j'étais obligé de tomber. Je pratique le skateboard, mais pas le saut à la perche, quoi. Puis, de toute manière, j'avais pas de perche. On est tombé de carrément haut, hein, putain. Il nous a fallu un petit delta plane pour. Bon, je sais pas ce que j'ai avec les sports là, faut que j'arrête. Ok, il fait méga sombre, on voit absolument rien, c'est ça qui est génial. Alors, j'ai pris la gauche, et apparemment, j'aurais peut-être pas dû. Eux aussi ont été inspirés par la gauche, mais ça s'est pas bien passé pour eux. Oh! Loué sois-tu! Ok. On peut pas monter sur les tuyaux, sinon il rampait. Bah non, il s'arrête là. Bah non, regarde, après on reprend là-dedans. Ah non, c'est plein. L'architecte de cet endroit avait tout prévu. Je sens qu'on va bien s'éclater. Je suis un peu chanteur dans les jeux d'horreur. Uniquement dans les jeux d'horreur. J'ai notamment fait des concerts avec l'homme à l'acide de Outlast. Ok, ouverture de porte. Vous pensez que c'est un piège et qu'on meurt si on tombe là-dedans? Ou est-ce qu'on peut peut-être éventuellement longer? Non. Allez, double fracture des jambes. On va finir comme l'autre après. On fera des cours sur roulette avec lui et tout. Ah! On peut faire quelque chose avec ça? Mettre l'œil dedans? Non, il doit falloir ramasser quelque chose qui s'emboîte parfaitement dedans. J'essaie déjà de repérer des trucs pour se cacher, mais il n'y en a absolument pas, donc... Ah! Que dis-je? Bah voilà! En plus! Parfait tout ça! Rebonjour, jeune trou! J'ai ce qu'il te faut. Attends, parce que le temps que j'accède à mon inventaire... Hop! Et voilà! À droite, il y a des engrenages. À gauche, il y a une piscine de 1 mètre sur 30 cm. En haut à gauche, une mine d'or, et là, c'est la sortie. On va commencer par aller à droite. Ok, bien évidemment, il faut deux engrenages. J'ai l'impression de faire une épreuve de Fort Boyard, quoi. Non, non, sur ta gauche, là. Attendez, attendez. Il y a une salle. Est-ce que je l'ouvre? Non, c'est pas bien. Il faut que je l'ouvre, les amis. C'est pour l'association. Mais voilà, faut une clé. Tais-toi, Bernadette, putain. Je suis schizophrène, ok? On continue comme prévu. On ne change pas le plan. On s'en tient au plan. Je suis rêvé de dire cette phrase. Merci pour le premier truc. Je préfère le dire. Là, ça sent le méchant. Attention. À quoi va-t-il ressembler? À un poulpe? Voire même un poisson pané? Donc là, on va devoir passer par. C'est un caillou. Saloperie de caillou. Oh! C'est des poupes, des putain de chihuahua, mon gars! C'est une sorte de. D'énorme grosse vache! Shrek qui s'est fait teindre en blanc! Vous pensez qu'il nous a suivi? Peut-être pas en fait, hein. Il était peut-être avec son maître nageur, il apprenait à nager. Où est Shrek blanc là, putain? Écoutez, on va mettre le premier engrenage. Bah, les steaks! Oh putain! Allez, item, donc c'est dans mon deuxième sac que j'ai acheté à H&M parce que. Ça suffit avec tous tes sacs, putain! Ok, premier truc fait, qu'est-ce que ça change? Et on marche. Pourquoi il y a eu un bruit chelou? Waouh! Attends, mais son bras est carrément assez long pour m'attraper là! Non! Oh, il a carrément une jambe, mais robot, quoi. Métallique. Par ici, gros tas. Wouhou. J'ai toujours rêvé de faire ça aussi, comme dans les films d'action. J'attire sur moi et je fais diversion. Enfin, là, je suis seul, donc c'est complètement débile. Est-ce que ça aurait pas ouvert par tout hasard la porte au fond à droite? Si, 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 je... Oh, pardon, micro. Dites-moi que la porte est ouverte, ou qu'on peut l'ouvrir, sinon je suis bloqué. Anna! Je sais ce que ça a ouvert. Voilà, 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 bien évidemment. Il a fait le tour, donc il repasse par là. Mais putain! Ça se trouve, faut peut-être que je prenne une partie de la jambe métallique du mec pour que je m'en serve en tant que pied de biche et que bam, j'ouvre cette porte. La clé doit se trouver ici. On y va. Oh, je prends des décisions, je prends les choses en main là. Je suis un homme viril aujourd'hui, putain. Et là, je viens de tout gâcher en étant pas du tout viril en expliquant ça. Il est là, regardez, il est là, il est là, il est beau. Moi, j'aime bien l'admirer un peu. J'espère qu'il va pas me faire le coup du sprint comme l'autre, mais. Oh! Il a fait le coup du sprint comme l'autre! Non! Hop, le tournant! Il s'est cogné! Avec un peu de chance, il a une bosse, il est dans le coma. C'est bon, on l'a semé. Too much bourrelet on your ventre. Je peux pas prendre un os, m'en servir en tant que pied de biche. Le mot d'ordre est pied de biche. Putain, mais je me prends vraiment pour un commando qui donne des ordres à une équipe inexistante, quoi. Allez-y! Parce que je me prends pour les mecs qui gèrent sur la route. Parce que moi, y'a qu'une voiture qui n'est pas une voiture, mais qui est Shrek Remix. Quoi? Mais putain, fallait me dire que tu savais faire ça, mon gars. J'ignorais cette compétence. C'est beau, ça. Et là, y'a la clé. Ah, à la place de ce mec, j'aurais racheté, je serais monté sur le dos de Shrek Remix et j'aurais fait du rodéo, hein. Allons-nous-en. Direction. Oh, oh non. Oh non. Oh non. Dans le bidon. Dans le bidon. Pas dans le bidon. Dans le tonneau, baril. Dans le baril. Tu veux un biberon? That ass man. Alors là, c'est les fesses de méchants les plus imposantes qu'on ait vues. C'est clair net. Non. Dans le baril. C'est bien ça. Paf. Hop, j'ai le dernier. Et je m'en vais. Je m'en vais le poser dans le trou qui correspond. Puis faire. Parce que moi, je sais, je fais des spectacles où je fais du mime. Oh, mais chiante cette porte là. Ah, voilà. Ne m'en voulez pas. C'est parti, hop. Allez, tourne, tourne, tourne. Et alors, qu'est-ce que ça déverrouille au final? Ça fait monter l'eau comme tout à l'heure. Ce qui fait qu'on peut accéder. Oh. Oh. Oh putain, on court carrément vite. Il est passé en mode remix Hulk ultra vénère. Eh, nous, comment on court? C'est carrément irréaliste, quoi. On dirait une sorte de fouine. C'est à droite. On ouvre cette porte et c'est la fin. C'est ici que l'aventure se termina. Shrek Remix termina seul dans son donjon. Et ben voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo sur Doorway The Underworld. On aura vu deux méchants bien charismatiques, hein, un homme sans bras ni jambes mais qui savait faire du roller, et un autre méchant au fessier incroyable, hein, potentiellement recrutable par l'équipe de danseuses de Beyoncé. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé la vidéo. J'espère que vous allez passer un très bon week-end et on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde, peace.